What's up tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui, une vidéo qui va continuer de vous montrer ma petite préparation. Je vais aussi vous montrer ma nouvelle méthode d'entraînement tout de suite, là je fonce à Prenez, je vais vous montrer ça. Ce soir je vous parle d'une petite application que j'ai découverte sur laquelle j'ai quelques doutes. Bonne vidéo, let's go. Hello, je voulais savoir si vous étiez prêt pour le training épaules et triceps parce que vous avez souffert les mecs. Je vous préviens. Moi je suis chaud, ça va. Je suis sûr que même eux derrière leur caméra ils ont peur. Derrière leur écran pardon. T'inquiète, ça fait 7 exercices en tout. 4. Ah t'as dit 3 exercices pour les épaules? 4 pour les épaules, 3 pour les triceps, non? 6 pour sur ta zone de poids, que soit le faisceau antérieur, postérieur, latéral, mais que 3 séries. Donc 3 exercices, 4 séries de 15. Et dernier exercice, 3 séries de 15. Et après triceps, 3 exercices de 15. Très bien. Regardez-moi cette masse arriver derrière. Regardez. Oh là là. On arrive à faire les tractions et les dips, là c'est parti. Non, on fait épaules, triceps. Non. Bonjour. Ah ça c'est l'ancienne ça. On est là, on soutient toujours Workout Brother Family. Attendez, on va pas jouer un training au chiffre nu parce que moi j'ai archi envie de faire épaules, triceps. Ça fait, le dip ça fait épaules, triceps. Non mais à la base, c'est pas tous les jours on fait pec, c'est pas comme ça que ça se passe. Si, normalement en plus c'est ça. Normalement tous les jours on fait pec. Tous les jours on fait pas dips, traction. Parfait, ciseaux contre vous trois, si je gagne. Il se passe quelque chose de très simple et d'à la fois très compliqué. Monsieur Farouk, la masse de Prenez, veut qu'on s'entraîne avec lui. Nous aussi on veut s'entraîner avec lui parce qu'il est très musclé. Vous voyez, c'est assez intéressant de s'entraîner avec quelqu'un avec un tel gabarit. Mais il veut faire dips, traction, alors que nous on veut faire épaules, triceps. On n'arrive pas à le rallier à notre cause, il n'arrive pas à nous rallier à sa cause. Du coup on joue ça au Shifumi, on est 3 contre 1. S'il gagne, on fait son training. Si l'un d'entre nous gagne, c'est fini, on fait notre training. Shifumi. Allez hop, dégage. Shifumi. Yes. Sur Lucas. Shifumi. Yes. Je lui dis, je fais votre training. Il gagne. Mais il veut même faire notre training. Le mec ne se bat pour rien, quoi. Juste si vous voulez gagner. Il aurait été à la Seconde Guerre mondiale, ça aurait été rapide. J'ai plus aucune motivation pour m'entraîner. Toute la team s'est fait descendre par un seul type. Si on met tous nos tours de bras à côté, ça fait 7 tours de bras. Ouais, c'est encore plus déprimant, mec. Bon, malgré qu'on ait perdu tous au Shifumi, Farouk nous accompagne dans le training. Donc aujourd'hui, training épaules triceps. On va faire un nouveau type d'entraînement. Tout sur du 15 reps. Avec 4 séries sur chaque exo, 4 exo épaules, 3 exo triceps, ça c'est un petit peu une base qui ne bouge pas. On va partir sur ça, mes amis ne sont pas prêts à ce qui va leur arriver. Vous allez voir votre force diminuer, même toi. Toi pour l'instant, je sais que tu es fort, mais ta force va chuter. On est parti pour le training, on commence par épaules, let's go. Allez, pas, trop vite. Allez, reste. Les 15 reps. 13. 14. 15. 10%, c'est le coiffeur au vœu à côté. Il a dit 10%. En gros, ça fait 1 euro en moins. Chez Jasmine Coiffure. Beau dégradé comme Lucas Anglès. Bon, par contre, chez Jean-Paul Biggin, on n'a pas de code promo. Ça se voit direct au concours. Ils sont moins bien faits. Ah, c'est trop dur là, les 15. T'arrives, Farouk, toi? Ouais, mais moi j'ai 3 kilos, je sais pas t'as combien, mais... Moi, mais quand j'arrive à 12, j'arrive plus à bouger. Non, mais ça va. Ah, c'est dur les 15 reps. Tout en 15 reps, moi je suis éclaté les mecs, comment vous vous sentez là, Farouk? Qu'est-ce que tu dis des sensations des 15 reps? C'est dur. Est-ce que t'es bien congestionné? Bah je sais pas, ouais je crois. Il dit je crois. Non, franchement en fait ce qui est dur c'est qu'au bout d'un moment, t'es totalement tétanisé et tu peux plus, mais il faut aller au bout des 15 reps. Et c'est là où tu te prends une vraie congestion. Est-ce que vous constatez un petit peu la sèche ou pas? Farouk, toi tu constates quelque chose ou tu constates rien du tout? Je constate. Tu constates? Je constate. Ah, il est sympa. Quelque chose ici ou pas? Hein? On a pris de la masse, Chris? Il a pris, non, il a vraiment pris. En 2 ans,
Bon bah voilà les potes, hein. On commence à voir le six-pack qui revient un petit peu. Pique-nous en quelques mots, même si je sais que tu as du mal en quelques mots, à quoi ça sert exactement le 15 reps? Bah le 15 reps, à votre avis, ça sert à quoi? Bah ça sert à construire plus de muscles. Plus on fait des séries longues, plus on sollicite de la fibre musculaire. Voilà, j'ai fait court hein, pour ah, bah, franchement, faire, là, il a fait court. Tu peux faire un bisou? Oui, tu peux faire un petit bisou. Fais-moi un bisou aussi, fais un bisou. Il est fou, il est fou. On sort de la salle, on va faire un petit arrêt à République juste pour acheter un petit jeu, Monster Hunter pour les connaisseurs, voilà. Et ensuite on rentre à la maison, bouffer. Ouais, Frinès, on va pousser les pecs c'est... et les bras. Non, là on est parti de Frinès, Félix, fait déjà un petit moment, là on est c'est à la maison. C'est vrai. Mais on peut quand même pousser si tu veux. Là, genre, j'ai une poêle, on fait un peu les biceps. Prends un verre d'eau, tiens-toi, parce que toi c'est plus destiné à ta force, vas-y. On avait déjà, enfin j'avais déjà bouffé dans mon frigo, du coup on n'a pas fait de course. On va se faire un petit fou bouffe quand même parce qu'on a choisi chacun ce qu'on préférait dans mon frigo. On se fait un petit fou bouffe et puis surtout ce qui va être important c'est de savoir qui va faire à manger. Moi je dis viens on joue direct. Qui va faire à manger qui direct? Qui fait à manger ouais, direct? Chichou. Ok. Chichou. Chi fou bouffe. Putain. Des steaks hachés. Colin pané. Chi fou mi. Putain il a refait. T'es un peu nul au chichou quand même. Ce matin, ne dites pas il ça. A perdu non non n'en parle là, pas. Du riz. Des pâtes. Shifumi. Yes. Il avait trop parlé. Dernier pour les légumes, qu'est-ce que tu veux? Purée. Petit pois carotte. Shifu bouffe. Putain, il a refait son ciseau de merde. Ah, dame, dans 2018, tu l'as placé. Yes, allez, bisous. Bon, tu fais à manger? Steak haché, pâtes et des purées. Moi, je vais jouer au jeu Monster Hunter et on se revoit à terre. Je te check pas là. Faut aussi qu'on mette quelque chose au clair, les chifou bouffe. On choisit la bouffe avant, mais y a pas de trucage hein, parce qu'on nous a demandé carrément pendant le salon du fitness s'il y avait des trucages parce que Félix gagne tout le temps. Alors j'aimerais dire déjà que le premier, c'est sûrement moi qui avais le plus gagné. Après, c'est vrai que là, ça fait un petit temps que je suis un peu nul au Shifumi, mais ne mettez pas ma malchance en tant que trucage. Comme d'habitude, je perds, ce n'est pas ma journée, mais c'est pas grave parce que vous êtes là. Je viens de finir de faire à manger. Bon, je vais vous montrer tous mes plats dans les vlogs où je vais continuer mon rééquilibrage alimentaire. Après 120 g de prot, 120 g aussi de pâtes et de la purée. Ça, c'est de la purée surgelée. J'ai rien fait. Mais il n'y a que des légumes dedans, genre haricots, brocolis, petits pois, un petit peu de crème. Les légumes, j'avoue que j'ai du mal à cuisiner parce que ça prend du temps. Faut peler, faut couper. Hein. Toi, Félix, tu connais bien ça, ouais, cuisiner les légumes. Cuisiner les légumes, ouais, couper. Tu cuisines souvent les légumes, ouais, toi. Ouais. Prenez du surgelé, ça perd un petit peu en valeur nutritionnelle, mais c'est quand même, pour moi, c'est assez positif dans le sens où vous perdez moins de temps et c'est plus facile de manger des légumes. J'ai pas allumé le micro. Ça va? Ouais. Voilà, fait. C'est un prank. Ah, il est drôle! Ah, il est drôle, hein! Yo, on se retrouve, il est 18h, ça veut dire troisième vrai repas, on va dire repas complet sans compter le checker de la journée. On va se rabattre sur mon chifou bouffe que j'ai perdu tout à l'heure, mon petit Colin pané et mes petits pois carottes. J'ai acheté un énorme truc de Colin pané parce que franchement c'est trop trop bon par rapport à du Colin normal, c'est une vraie tuerie. Mais je veux voir si quand même en mangeant semi-propre mais quand même en respectant les quantités et les macros que je dois ingurgiter. Ingurgiter, c'est quand on mange ou quand on vomit? Régurgiter, c'est quand tu vomis. Ingurgiter, c'est quand tu... Wow, je me suis pas trompé dans les termes, les frères, le vocabulaire! En muscu, on vous l'aura jamais dit assez souvent, essayez et vous verrez si ça marche ou pas. J'ai regardé, je sais pas si vous connaissez l'application Yuka. C'est un truc qui vous dit s'il y a des additifs, des merdes dedans et tout. C'est Félix qui rigole parce que c'est lui qui m'en a parlé. La petite carotte là, n'importe quel produit, grâce au code barre, je vais vous montrer ça en direct. Hein. Hop! Tu prends comme ça, là vous voyez le code bas, vous voyez, non vous voyez pas, moi je le vois, scanner un produit, ici tu prends le code barre et là ils te disent quelle est la qualité de ton aliment, il est excellent, voir le produit, ils te disent les protéines, ce n'est pas du tout un placement de produit, oui cette marque nous a pas du tout contacté, c'est juste Félix qui m'a parlé de ça, et du coup ça te dit s'il y a des additifs, des graisses saturées, ça te dit tout, là vous voyez tout est vert, donc c'est bon, j'ai vérifié avant. Il n'y a pas trop de conneries dedans, même si c'est un peu une sous-marque. Si vous voulez essayer Yuka pour scanner vos aliments, pour vous, vous avez l'air d'un con supermarché. C'est-à-dire que tout ce que vous allez acheter, vous allez le scanner une première fois avant de donner à la caisse. Ça prend un peu de temps.
Ouais. Mais au final, quand vous l'avez fait une fois, vous savez ce qui est bon, vous savez ce qui est pas bon. Et ça vous aide aussi à discerner qu'est-ce qui est bon à prendre dans le bio et qu'est-ce qui est pas bon. Parce que des fois, il y a plus d'additifs dans les trucs bio que dans les trucs normaux. Et les additifs, c'est vraiment pas le meilleur pour la santé. Il y a Félix juste derrière qui est en train de jouer à PUBG sur mobile. Là, je crois qu'on l'a perdu. Faites-vous plaisir, dans vos assiettes, ça se ressentira sur vos physiques. Et pareil, dans les entraînements, vous êtes énormément à me demander comment tu fais pour tenir ta diète, comment tu fais pour retenir tes entraînements. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est varier ce que vous mangez, varier vos entraînements et kiffer en fait. Gardez le kiff, ne l'oubliez pas trop souvent. Même moi, j'ai oublié le plaisir de manger. Parce que je sais pas, c'est un état d'esprit. Il faut être positif pour continuer à avancer. Mais ouais, t'as trop raison quoi. Toi, déjà, tu devrais suivre mes conseils. Donc je vous disais les mecs, c'est hyper important de bien manger pour bien prendre du muscle. Il mange en plus. Quel enculé. Aussi manger la bouffe des potes. Bah ouais, on peut pas avoir deux à être stock. Il y en a un des deux qui sera toujours plus stock que l'autre. À n'importe quel moment, si vous voyez de la bouffe, foncez dessus les frères. Si vous êtes moins stock, pour rattraper votre retard par rapport à votre pote, vous mangez sa bouffe comme ouais, ça. Ouais, c'est lui ça. Lui prend moins, vous prenez plus. Et puis si jamais il vous crame, simple réaction. C'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Elle est où la nourriture? Je ne sais pas qui a mangé. Bah, le chat. À propos de l'application Yuka, réflexion personnelle. Cette application, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous la connaissez. Je trouve qu'elle a quand même ses limites dans l'aspect où si il y a des marques qui payent pour que cette application-là dise que leurs produits sont bons. Bah là du coup le principe est foutu. Et comme c'est une application gratuite, je me dis comment est-ce qu'ils peuvent se faire de l'argent. Donc est-ce qu'ils font pas ça? Attention, pas se faire prendre pour des cons. Si jamais vous êtes plus au courant que moi, dites-moi, peut-être que cette application fait ça totalement bénévolement. Mais il n'y a pas de pub. Comment ils peuvent faire de l'argent? Plus jamais. On se retrouve pour le dernier vrai repas de la journée. On continue à faire attention, mais à se faire plaisir. On se fait des petits Faritas Diet. Il est 21h, donc c'est mon dernier gros repas quand même. Des petites galettes qu'on a avec du riz, du maïs, des haricots rouges, de la soie Faritas, de la salade, des petits carrés frais, 0% de matière grasse. Alors là-dedans, pour 100 grammes, il y a 1,7% de matière grasse et 17 grammes de protéines à peu près. D'après Yuka, c'est bon. Alors peut-être qu'on se fait niquer par l'appli, mais pour l'instant, dans le doute, c'est bon. Et avec tout ça, le meilleur ami de l'homme, le poulet, un petit peu mariné à l'huile d'olive et au curry. Et je me suis trompé, j'ai mis un peu de cannelle au début. J'ai confondu la cannelle et le curry, j'ai mis de la cannelle comme ça. J'espère que ça va être bon. J'ai souvent fait sur la chaîne des diets assez hardcore, mais là comme j'avais plus de temps, je voulais faire ça plus tranquille. Bon, on peut très bien faire ça plus sainement et c'est même meilleur pour la santé, je pense. Qu'est-ce que t'en penses toi Félix? Au niveau des sèches, tu t'y connais bien non? Ouais bah bien sûr, c'est mon domaine. C'est ton domaine, c'est le truc où tu gères toi. Voilà la famille, vous venez de voir le dernier repas de ma journée. Vous avez vu à peu près tout ce que je peux manger et comment je m'entraîne dans cette diète qui avance, qui progresse petit à petit. Je vous tiens au courant dans les futurs vlogs qui vont arriver. Pensez bien sûr à me dire dans les commentaires si vous trouvez que ça avance ou pas. J'attends vos avis, c'est important. Félix, toi tu dis que ça avance, toi? Ouais, ça avance relativement bien. Relativement bien? Bah ouais, c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois, t'es pas Sam Nelson. Sur ce, on va vous laisser. Restez branchés, entraînez-vous bien. Peace.